Fuite chimique détectée. Veuillez évacuer le bâtiment. Je répète, fuite chimique détectée. Veuillez évacuer le bâtiment immédiatement.
Ouais. Veuillez évacuer le bâtiment. Arrêtez. Évacuer le bâtiment. Joli. Partout. Fuite chimique détectée. Veuillez évacuer le bâtiment. Des insectes partout. Échapper au gaz. Bienvenue dans la zone d'observation des laboratoires hallucigènes. Approchez-vous de la vitre pour assister à une démonstration de nos produits. Génial. Fuite chimique détectée. Veuillez évacuer le bâtiment. Tu es en cours de développement. L'éradicateur d'hallucigène offre à vos troupes une solution dernier cri en matière de décontamination de terrain. Des résidus de radiation pourraient subsister dans la zone affectée. Le dosage est susceptible de changer après le résultat des évaluations de cette. InvisiWave est une avancée extraordinaire dans le domaine de la technologie de furtivité qui permet de se passer de générateurs personnels si encombrants. Certains sujets pourraient devenir inaudibles, voire impalpables. Les effets pourraient être permanents. Des recherches plus approfondies sont en cours. Vous êtes un criminel ? Oubliez les armes et essayez le suppresseur d'hallucigène. Un moyen sûr, fiable et efficace de paralyser toutes les cibles, même en armure. Son utilisation pourrait entraîner la paralysie partielle, voire totale, de l'utilisateur, des personnes à proximité et des animaux de petite ou grande taille. À manipuler avec précaution. Le gaz hallucigène. La solution en termes de contrôle des foules depuis 2055. Le gaz hallucigène permet d'arrêter une émeute plus rapidement que n'importe quel autre produit du marché et sans les terribles effets secondaires des produits concurrents. À utiliser avec précaution, peut entraîner des effets secondaires sensoriels ainsi qu'une insuffisance surrénale aiguë chez les sujets exposés à de fortes doses.
dispersant d'hallucigène est idéal pour disperser les civils sans violence. Veuillez évacuer le bâtiment. Hallucigène décline toute responsabilité en cas de dommages matériels, blessures ou décès résultant de panique générale liée à l'utilisation du produit dispersant. Hé ! Qu'est-ce que vous voulez ? Une petite seconde. Avez-vous trouvé quelqu'un qui pourrait m'aider à devenir humaine ? T'as une idée ? Une piste ? Nous devons trouver un expert en chirurgie neuronale, habitué aux interfaces homme-machine. Ce ne sera pas facile, mais il doit bien y avoir quelqu'un, non ? D'après ce que j'ai lu, il faut remplir un... Je répète, fuite chimique détectée. Veuillez évacuer le bâtiment immédiatement. Génial. C'est bon. Je répète. Fuite chimique détectée. Veuillez évacuer le bâtiment immédiatement. Veuillez évacuer le bâtiment. Ça y est. Veuillez évacuer le bâtiment. Ça y est. Thank you.
Veuillez évacuer le bâtiment. Je répète, fuite chimique détectée. Veuillez évacuer le bâtiment immédiatement. C'est bon. Évacuer le bâtiment. Je répète, fuite chimique détectée. Veuillez évacuer le bâtiment immédiatement.
Pourrions-nous aller voir le vieux Parlement? Il y a peut-être une brochure pour les touristes là-bas. Il paraît que vous avez suivi le chemin de la liberté. Voilà. Alors, c'était comment à Lucigène? Vous m'avez trouvé quelque chose d'intéressant? J'ai trouvé cette bonbonne de gaz. Il a l'air puissant. Excellent! Va falloir faire gaffe. Alors, analyser les composés et tout ça. Mais bon, ça, c'est mon problème. De votre côté, il ne vous reste plus qu'à vous faire payer. Tenez, comme promis. Vous voulez acheter quelque chose, sinon? J'ai de la bonne cam. C'est du fait maison. Laissez-moi y réfléchir. Ok, prenez votre temps. L'antre de la mémoire n'accueille plus de nouveaux clients pour le moment, Trésor. Irma. Vous passez du bon temps à Good Neighbor. C'est pas une ville comme les autres, hein. Avant que vous ne posiez la question, ce n'est pas moi qui ai choisi la décoration. Alors, pas un mot. Marie. Les stations mémorielles sont des instruments de haute précision. Veuillez ne pas les secouer, sauter dessus ou leur donner des coups de pied. J'ai votre costume, Kent. Et deux ou trois petits souvenirs qui devraient vous plaire. Ah, voilà enfin le costume de Silver Shroud. Il est encore plus beau que sur les affiches. Et des objets collector en plus? C'est trop beau pour être vrai. Avec ça et ma mitrailleuse, tout est paré. Qu'est-ce que vous allez faire maintenant? Je suis pas encore sûr. J'aimerais voir quelques détails avec vous, quand vous m'aurez donné le costume. Tenez. Après toutes ces années, Silver Shroud renaît enfin de ses cendres. Mais il y a un petit problème. J'ai pas l'étoffe de Silver Shroud. Je pourrais être Red Reinhardt, ou son majordome, Jarvey Blake. Mais Silver, c'est la force incarnée. Rien ne peut l'arrêter. Ne soyez pas si modeste. Je sais qui devrait porter ce costume. Ça vous dirait de devenir Silver Shroud? Vous avez déjà le passé torturé et tout. La cryogénie, c'est parfait. Pourquoi moi? Vous m'avez aidé alors que tous les autres m'ont ri au nez. Et vous avez connu le monde d'avant la guerre, comme moi. Vous avez vu à quel point le monde a sombré et combien il faudra se battre pour l'aider à se relever. Alors, vous êtes de la partie? Je ne vais pas me balader en collant. C'est pas comme si je vous demandais de vous déguiser en grognac, hein? Enfin, revenez me voir si vous changez d'avis. Oh, un autre docteur.
Docteur, dites-moi, dans quelle université avez-vous suivi vos études ? Dans quelle université ? C'est une blague, non ? Inutile de me demander comment fonctionnent les stations mémorielles. Je n'ai pas le temps de vulgariser des décennies de recherches en neurosciences pour vous. Docteur Amari. Je suis occupée, que voulez-vous ? Hey. Avez-vous besoin de quelque chose ? Je peux avoir une minute ? Avez-vous trouvé quelqu'un qui pourrait m'aider à devenir humaine ? C'est mon objectif numéro un. J'apprécie les efforts que vous avez fournis. Hey. Vous avez besoin de moi ? J'ai une question. Avez-vous trouvé quelqu'un qui pourrait m'aider à devenir humaine ? Je crois qu'on devrait se séparer. Comme vous voudrez. Kent. Alors, vous voulez bien m'aider ? Les méchants ne vont pas se coffrer tout seuls, hein ? Good Neighbor a besoin de Silver Shroud. J'accepte, Kent. C'est trop génial ! Le costume et la mitrailleuse sont à vous. Vous allez patrouiller dans les rues de Good Neighbor et dès que j'entends parler d'un crime sur ma station radio, je vous le signale immédiatement. Voici vos cartes de visite, en quelque sorte. Laissez-en une sur place chaque fois que vous rendez la justice. Comme ça, tout le monde saura que Silver Shroud est de retour. Les criminels ont du souci à se faire! Appel à tous les fans de Silver Shroud. Préparez-vous à l'annonce du siècle. Silver Shroud est de retour et il va faire le ménage dans cette ville. Tout le monde sait que Wayne Delancey a tué la pauvre Madame Selmy et son enfant pour une poignée de capsules. L'heure du châtiment a sonné, Wayne. Hey. Pas mal, les fans. Ça doit valoir de la thune, ça. On va faire un Miami, toi et moi. Cet ange gardien s'appelle Silver Shroud. On dit que tu as tué Madame Selmy, c'est vrai ? Selmy ? Ouais, je l'ai crevé, cette truie. Son mieux chaussi, d'ailleurs. Mais je me suis donné du mal pour rien. Elle avait même pas trois capsules sur elle. Alors, mon petit monsieur, on s'est perdu. Il est temps que tu paies enfin pour tes crimes. C'est quoi ton problème ? Tu veux t'en prendre quelques-unes, c'est ça ? Ok, ça me va. Tu me cherches ? Ça ne vous regarde pas. Je vais peut-être... Oui, je vais l'appeler. Non, vous voulez bien me laisser. Pas si vite, monsieur le marquis. Ton larveur, à boule. Et donne-moi ta mallette aussi. Allez, dépêche. Certainement pas. Est-ce que vous savez qui je suis ? Il va souffrir. Bordez la gueule, Louise. Mais pourquoi t'as fait ça ? J'y vois rien. Tu aurais pu t'identifier, bien. Tu veux repasser quelques années à l'ombre ou quoi ? Vas-y, fais voir ce qu'il y avait dans sa mallette. Y'a rien, c'est pas tard. Même pas un bifton nib. Merde !
Chope son portefeuille. T'as vu comment il est sapé, le Zig ? Faites plein aux as. Je reçois aujourd'hui un ami de l'émission, Jerry. C'est branché ? On m'entend ? 1, 2. 1, 2. C'est bon, on vous entend. On est à l'antenne. Hé, c'est pas vrai. Vous avez sorti en train du troisième rail hier soir ? On m'a dit que vous aviez sauvé Rex Goodman des super mutants. On dirait que tout le monde n'est pas fan de William Shakespeare. Génial ! Grande nouvelle ! Silver Shroud a déjà rendu la justice. La mort de Madame Selmy a été vengée. Sans déconner. Silver Shroud a descendu Wayne. Mais... il existe, ce mec ? Si vous commencez à faire du gravier... Oh, et comment ? Je vous jette dehors, compris ? Revenons à vous, Jerry. Répétez à nos auditeurs ce que vous m'avez dit tout à l'heure. Ouais. Joli. Alors vous connaissez AJ, le gars qui deal devant chez Bobby. Ça marche bien, son business. Il a dit qu'il avait trouvé un nouveau marché. Les gosses. Ils nagent dans les capsules, alors que sa dope est coupée à la truelle. Vous avez entendu ça ? Je crois que c'est une mission pour Silver Shroud. Pourquoi ? Il veut se lancer sur le marché de la drogue, votre Silver Machin ? Lâchez le morceau. Non. Vous cherchez toujours du travail, MacReady ? Ça dépend. Vous cracheriez dans les 250 capsules ? Tuez des gens. Et alors ? Marché conclu. Là, on parle la même langue. Ok, chef. Vous venez de vous offrir mes services. Il faut l'arrêter. Je vous suis. Si vous le dites. Galaxy New Radio. Quand les criminels envahissent les rues de Boston, un justicier solitaire sort de l'ombre pour protéger les innocents et faire régner la justice. Cet ange gardien s'appelle Silver Shroud. Épisode d'aujourd'hui, le mystère du maire Murphy. Allez, montre-toi, lentement. Silver Shroud, n'aie crainte, mon vieil ami, ce n'est que moi. Ah, rien de plus accueillant que l'odeur de la pisse qui se mêle aux poubelles. La maîtresse du mystère. Qu'est-ce qui t'amène à Scully Square en cette nuit sordide ? Je remontais la trace de ma vie. Bien en vue. On dirait super, que un clown. J'adore les clowns, sauf que t'es le sur ma territoire et je n'aime pas trop les... qu'il n'était pas ici dans l'exercice ouais, de ses fonds. Les intrus. Bien au contraire. C'est toi, AJ ? Le dealer qui vend de la drogue aux enfants ? Ouais, c'est lui-même. Je suis comme qui dirait un philanthrope, tu vois. Je fais dans l'humanitaire. Et drogue pour tous, qu'elle s'appelle, mon ONG. Jet gousserie, chewing-gum au Mentats. Les gosses de Diamond City gobent ça comme des bons becs. Tu revends ton poison à des enfants, hein ? Prépare-toi à subir la colère de Silver Shroud ! Alors, monsieur le maire, qui ça ? Sans déconner. C'est Ken qui t'envoie ? Il arrête pas de me les casser. Se disant que c'est pas bien pour les pauvres petits enfants et tout ça. Tiens, je suis de bonne humeur. Alors je te propose un deal. 50 capsules et tu me lâches la grappe. D'accord ? Et tu dis à Ken de faire pareil, ton petit est. Jamais, vous m'entendez ? Vous savez pas où vous avez fichu... Arrête de vendre ces saletés aux enfants, scélérat ! Ou il t'en cuira ! Si on te dit que tu fermes boutique, tu fermes boutique, pigé ? Va te faire maître. Feu à volonté, les gars. Adios, boss ! Silver Shroud, tu es touché ? Ah ! Ce n'est qu'une égratignure. Pars à sa poursuite. Ne le laisse pas. Non. Nous le retrouverons. Comment extraire cette balle ? Tu perds trop de sang.
et à mon boudoir. C'est tout près. On commençait tout juste à m'amuser. Le boudoir. C'est comme ça qu'on fait. Pardon. Ça faisait longtemps. On partage très tout ça, longtemps, pas vrai? Mon vieil amour. Très longtemps. Vite. Ne perdons pas une minute de plus. Silver Shroud va faire régner la justice dans les rues de Good Neighbor. Les méchants n'ont qu'à bien se tenir. Flash spécial. La tueuse professionnelle Kendra a été vue récemment au troisième rail. La même Kendra qui, est-il besoin de le rappeler, a fait sauter la cabane Daisy. De Little Joe et tué quatre bon, vagabonds voilà. Innocents. Comment ça s'est passé si à la bibliothèque action, vous avez réglé leur compte à ces super mutants Notre super détective... J'ai réussi à nettoyer la bibliothèque. Et j'ai bien rendu votre livre au passage. Avec à peine 200 ans de retard, vous croyez que je peux m'attendre à recevoir une amende? Je sais que c'était une requête un peu étrange. Mais merci d'avoir fait de la bibliothèque un endroit plus sûr. Certains de ces vieux édifices sont sacrés, vous savez. Voilà votre argent. Mortaja plateada. L'épisode de hoy, el salón del misterio. Jasmin, camomille, extase et douleur. Ce n'est peut-être que le boudoir du mystère. C'est en bas que ça se passe. Dérangez pas les autres clients. Chut. Reste tranquille. Ouais. Vous avez déjà été chez qui, Lord Bickild? J'ai retiré la salle de malade. Du vent. Laissez la Mais place la aux clients qui pas payent. Vous ressemblez à ces glands qui poussent sur les posters. C'est quoi ce déguisement? Maîtresse du mystère. Non. Ça. Je ça suis va. Silver Shroud. Mais... En personne! Je cherche une canaille dénommée Kendra. Silver Shroud? Plutôt super débile, si vous voulez mon avis. Attention, faut pas plaisanter avec Kendra. Les gens qui la cherchent finissent souvent dans un caniveau, une balle dans la nuque. Mais si vous voulez absolument la voir, ça peut s'arranger. Mais va falloir payer. Tu peux pas me donner quelques détails sur elle? Offert par la maison? Quand on veut jouer les assassins, faut savoir être subtil. Kendra est une tueuse. Une des meilleures. Écoutez, mes scanners analytiques me disent que vous savez vous défendre. Vous devriez garder vos capsules pour acheter une pinte. On dirait que nous avons quitté la... Personne ne peut se dresser entre Silver Shroud et... Nous sommes attirés les soupçons des plus... La justice! La justice... Vous voulez lui faire la peau? Dans ce cas, son appart est juste au sud de Good Neighbor. Water Street Apartments, que ça s'appelle. Faites gaffe au porte-flingue qu'elle traîne avec elle. C'est pas détendre. Bonne chance. Écoutez-moi bien, les justiciers. Charlie. Je vais finir par vous compter parmi mes clients réguliers. Par contre, rêvez pas. La bière est toujours aussi dégueu. Vous allez peut-être me trouver... Ça ne m'intéresse pas. Mais je crains que même les plus grands ténors du barreau ne puissent plus rien pour nous. Je suis contente que vous ayez retrouvé, maîtresse du mystère. Elle a besoin qu'on... Il faut fuir votre boudoir. Échapper à la police. Nous allons prouver notre innocence et nous venger de Fae. Encore des nouvelles fraîches au cœur de l'info. Non, ce n'est pas Bobby Sanné qui a tué AJ et ses sbires. C'est Silver Shroud. Si vous ne me croyez pas, allez voir sa carte de visite. Le jour que vous attendiez tous est enfin venu, chers auditeurs. Good Neighbor ne sera plus jamais une zone de non-droit. Vous allez voir. Galaxy New Radio.
envahissent les rues de Boston. Un justicier solitaire sort de l'ombre pour protéger les innocents et faire régner la justice. Cet ange gardien s'appelle Silver Shroud. Épisode d'aujourd'hui. C'était pas le bon jour pour venir. Qu'est-ce qu'il y a de si important ? Y a quelqu'un ? Joue la fille de l'air. Ah, je sais que t'es là. Je vais te trouver. Aucun signe. De quoi ? Confirmé. Ouais. Ça, c'est du talent. Yeah.
Vous devez être Kendra. On m'a parlé de vous et de votre déguisement débile. C'est vous qui avez tué Wayne Delancey. Vous ne savez vraiment pas où vous avez mis les pieds. J'adore quand le petit moucheron vient se prendre tout seul dans la toile de l'araignée. Ton règne de terreur s'arrête ici, fripouille. Vous m'avez volé ma réplique. Je vous en prie. Vous mourrez. Abandonne, ça me fera gagner du temps. Troisième étage. Quoi? Qui est là? Un bruit? Tu cognes comme un rat de cafard.
Quoi ? Ça va faire mal. Tire à terre. Vous trouvez quelque chose d'utile ? Ça y est. Ôtez votre crâne. M'en occupe. Massacre. Déchiquette. Je vais pas faire mon feu.